Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour peut-être ce dernier épisode du Let's Play sur Transport Fever. Ça dépendra de comment on avance aujourd'hui. C'est le 25e épisode, je vous cache pas que la série a assez duré, je pense. 25 semaines, imaginez-vous, 25 semaines. C'est énorme. Ce sera pas la dernière vidéo sur Transport Fever, je vous rassure. Loin de là, parce que je trouve qu'on n'a jamais utilisé les avions ni les bateaux. Et donc, faudra se faire un petit let's play en mode vanilla. Peut-être. On verra. Alors. Une gare. Là, je suis un peu dans la merde parce que du coup, j'ai pas le bon angle. Avec la voie qui arrive là. La voix qui arrive là, faudrait que je supprime ça. Je suis en pause, hein, c'est fait exprès de toute façon. Ça évitera que ça lag. On peut peut-être faire. Faut tourner comme ça, ouais. Ok. On va mettre là comme ça. On met un truc là comme ça. Voilà. Et on améliore en boulevard aussi. Voilà, comme ça. Ah merde, j'ai mis en voie de tram. Ah mais j'ai pris un boulevard avec tram. Ah mais je suis con. Non, voilà, merci. Voilà, ok, c'est ça, parfait. Alors. On va remettre play. Bah, ouais, non, tant pis. Ah mais j'ai supprimé la route là du coup, non. Il n'y a pas une route ici, il me semble. Bon, c'est pas grave. Hop, comme ça, voilà. On va mettre une route là quand même, au cas où. Voilà, très bien. On va mettre play. Ça me perturbe de voir le jeu en pause. Alors, l'outil voie. Ah mais j'ai pris les voies grande vitesse là par contre. Voilà, parfait. Parfait. Donc là, on arrive là. Hop. Là ensuite, on a un gros pont à faire. À Pantourette, c'est sûr, par rapport à une route. Voilà. Est-ce que si je prends l'outil pont. Ouais, il faudrait partir d'ici. On peut carrément faire un pont géant presque. Donc ça c'est un tunnel. On va faire un pont géant. Ah mais ça a pris le dessous par contre. Voilà. Alors. C'est pas ça que je veux faire. Voilà, parfait. Voilà, et là, on continue jusqu'ici. Ah, par contre, attends, je crois que j'ai fait une connerie. Ah, pourquoi ça monte? Ouais, j'ai fait la montagne russe, là. Non, je veux pas que ça monte, je veux que ça soit droit. J'ai pourtant dit que c'était droit, il me semble. Bon, on va recommencer. Putain, c'est chiant, j'arrive pas à prendre le bon endroit. Là, je veux que ce soit droit, voilà, merci. Voilà, tout le long est droit, puis voilà. Est-ce que là, je serai assez haut? Bonne question. Oui, c'est bon. Hop, voilà. Et là, on descend. Parfait. Je peux pas espérer mieux. Hop, et donc là, jusque là. Hop, comme ça. Et la petite séparation. Et voilà, on a fini le RER. Enfin, presque fini parce qu'il n'est pas encore raccordé. Donc, il faut le raccorder. Ça pourrait être pratique. Mais voilà, sinon, on a bien avancé.
Tout est ok. Alors. Comment est-ce qu'on peut le raccorder? Ça va où ça? Ça va nulle part. Ça rejoint le dépôt, mais dans le mauvais sens. Que le dépôt, tac, tac, tac. Ah, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ah, quoi que non. Non, peut-être pas. Parce que là, ouais, il faudrait faire un truc genre... Faudrait faire un truc genre comme ça. Et rejoindre ici. Voilà. Faudrait faire ça. Faut faire ça comme ça. Et je parie que là, on peut pas y aller. Hein. Pour moi, ça me semble impossible. À moins de faire comme ça. Non, après ça se sépare, ça sera pas joli. C'est pas grave, tant que les deux... Ah mais non, attends, ce qu'il faut... Il faut que les trains tournent dans les deux sens. Et là, comme ça va pas le faire. Les trains roulent à gauche en plus. Ça me facilite pas la tâche. C'est dégueulasse ou pas? Non, ça va. Toi, on y supprime. Est-ce que par hasard, ça se transforme pas en... Non, ça se transforme pas du tout. Ah, peut-être que je sélectionne l'outil voix. Non, ça veut pas. Ok, c'est pas grave. Et si j'en fais une manuellement de... Non. Trop important la courbe. Ah, comme ça, peut-être que... Il n'y a pas un point qui était bien. Ah, ok, là, comme ça. Bon, c'est un peu glitché, mais c'est pas grave, hein, ça. On n'a rien vu. Maintenant, les signaux. Donc, un là. Ensuite, un là. Voilà. Et on va mettre peut-être un à chaque gare. Train 59, c'est quoi, ça? Ah, c'est le fameux train à remplacer, ouais, le train... Le train serpent, voilà, cherchez le mot. Le petit train serpent, alors on avait une Isabelle en tête et une frette en queue, si je me souviens bien. Que j'arrive à voir. Bon, on mettra une frette en queue, c'est pas grave. Alors, Isabelle, tu es là. PV, hop. Wagon, par contre, on avait combien de wagons? Détail. 27 wagons. Et une frette en queue. Ok, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah c'est pas. Attends. Non, ouais, si c'est bon. Ça m'y prend en compte. 27 wagons. Non, je n'ai bien de trop. Là, je n'ai combien là? 27, c'est bon. Et locomotive. Une frette en queue. Une PV, bien sûr. Hop, voilà. Et ben, remplacement on. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Les signaux, je n'étais. Les signaux. On peut pas le placer là, si on peut. Voilà, un là. Un là. Non, pas dans ce sens là. L'autre sens, voilà. Oh putain, pour supprimer maintenant. Voilà, comme ça, parfait. Ensuite, donc là, on a là. On va en mettre un là, parce qu'on a une grande portion quand même. Voilà. Ensuite, la gare ici. Là, de ce côté-là. Voilà. Ensuite, un là. Hop. Voilà. Là, un autre là. Vous noterez qu'il n'y a pas de correspondance directe avec les autres lignes. Alors, c'est pas que c'est volontaire, mais c'est que j'ai la flemme de faire mieux. Non, c'est compliqué en fait après de faire les correspondances avec les autres lignes. Ok, là, ça me prend. Pourquoi ça me prend pas là? Non! Ah, ça m'énerve ça quand ça fait comme ça. Je le place bien et d'un coup,
Non, putain, j'ai supprimé la voix entière. Et d'un coup, en fait, ça me le change de sens. Parce que vous, pour ceux qui savent pas, ça c'est un mode des signaux à gauche justement. Et en fait, le jeu ne prend pas en compte les signaux à gauche. Il prend putain, mais je fais quoi là? Il prend en compte que les signaux qui sont à droite. Enfin, il place le signal comme s'il était à droite en fait. Donc, faut viser la droite de la voix pour le mettre dans le bon sens. Enfin, c'est compliqué. Là, bien sûr, là, il y a tellement de voix que c'est encore plus compliqué. Et bien sûr, ça freeze, sinon ce serait pas drôle. Voilà, donc je pense que le prochain let's play, on fera un peu en mode vanilla, donc pas avec beaucoup de modes. On en a fini. Pas avec beaucoup de modes et juste avec des modes, comment dire, des modes de train, quoi. Des trucs pas cheatés. Je mets juste des sens uniques à deux endroits. Hop, par rapport aux aiguilles, là surtout. Voilà, comme ça, ce sera pas mal pour éviter les contresens. Alors, il nous faut... nouvelle ligne. Il nous faut faire comme ça. Donc, un train qui tourne dans le sens 1. Voilà. Ça m'a validé. Alors, là, ce sera... RER... Ah ouais, je mets un A. RER... S1, voilà, pour sens 1. Maintenant, nouvelle ligne, on tourne dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc ça, ce sera RER S2. Ah, le 2 n'a pas marché. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. On va mettre, il y a combien, 5 gares, on va mettre... Pour l'instant, 3 trains dans chaque sens. Pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Ça fera 6 trains au total. Il y aura de quoi faire. Alors, acheter des trains. Unité multiple. Qu'est-ce qu'on a un peu RER? On a les MI, mais on les a déjà mises. Est-ce qu'on n'a pas autre chose? On n'a pas autre chose, en fait. Bah, écoutez, on va prendre les MI. Combien de mètres ça fait? 104, pardon. Ok. Donc, 208 en UM, c'est pas mal. Combien de personnes du coup? 144 photos. Ok, bah nickel ça. Alors, on en clone 2. Desservir tout. RER S1. Hop, elles sont presque la même couleur. En plus, ces lignes, c'est pas plus mal. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on en revend une. Hop, on va revendre celle-là. On clone ces deux-là. Et desservir tout. RER S2. Voilà, donc là j'ai mis le 2, là il y a le 1 qui est en attente du coup, j'imagine, voilà parfait. Allez, un petit tour en cabine pour changer un peu. Donc là je sais pas du tout par où il va passer pour accéder à la petite ceinture. Ah mais on a une aiguille directe, ah bah c'est bien si on a une aiguille directe, ça sera plus rapide. Ah oui je vois, ok, on a l'aiguille parfaitement, ok voilà, nickel, là petit croisement avec le fret. Ah non même pas, on le dépasse, ah on le dépasse, oh bah nickel. Hop, on prend l'aiguille là. Et en même temps, le train ne pouvait pas aller plus loin du coup, vu que sa voie était occupée après dans la gare. Hop, voilà, on repart. 60 km/h. Et là, on va entrer dans le RER du coup, directement maintenant. Voilà, première gare donc aérienne. Je sais pas du tout quelle vitesse on va avoir, ce sera la surprise, j'ai même pas fait gaffe en construisant aux vitesses. La gare est très sympathique, hein. La gare est très sympathique. Le bruit du ronfleur est pas mal. Bon, on arrive sur les 100 km, non, peut-être pas 100 km/h, mais 70, 80, ouais, c'est peut-être 100. Ouais, 100 km/h quand même, c'est pas mal. Bon, on ira pas aussi vite que les TGV, mais c'est pas le but non plus. Hop, là on descend, on arrive à la deuxième gare. J'aurais pu les renommer les gares, mais bon, la flemme. Vous me connaissez, j'ai toujours la flemme. Hop, là on passe les deux passages à niveau. On passe sous l'autre voie. Je sais pas si elle sert encore cette voie. J'ai pas l'impression.
Ensuite, Lyon, gare 3. Il n'y a pas grand monde hein, pour l'instant. Hein. Il n'y a même personne. C'est pas grave. Non mais au moins voilà, ça fait le RER comme on avait dit. Je sais plus, il y a peut-être 10 épisodes où on avait dit ça. Qu'on a fait le périph' en fait. Avec la tour Eiffel là comme ça. Hop. Là on descend, ça tourne encore. Et on s'arrête à Lyon Ouest, c'est sa dernière gare. On va faire encore le reste du parcours. Mais après on a fait toutes les gares. Il y a beaucoup de trains quand même. Hein. Je crois que j'ai jamais mis autant de trains dans une partie de Train Fever ou Transport Fever. Hop, et bah parfait. Parfait. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Comment on active déjà le mode caméra? Ah, ok, c'est ici. Ah merde, mais il est parti le train du coup. On peut faire comme ça peut-être. Ouais. Faut que je me rappelle des touches, des commandes. Ok, comme ça. Petite capture d'écran de la fin. Hop, comme ça. On va se mettre en 35 mm. Voilà. Ah, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Eh, c'est beau. La petite capture d'écran faite. Oh, on peut mettre en... Ah ouais, vas-y, en full. Je mets plus grand truc. Là, ça fait cracher le jeu, plus qu'une sauvegarde, plus rien. Ça prend encore la capture d'écran, là. C'est normal, hein, ça met du temps. Hein. En plus, je suis en train de recorder la vidéo. Donc, c'est normal. C'est bon. Est-ce que le jeu... Non, le jeu n'est pas rendu encore. Ça met 3 ans ou pas? Bon, le jeu... J'ai peur que le jeu est planté en fait. Je pense pas, mais... Là, ça met du temps quand même. Ça met du temps. Bon, en tout cas, j'espère que ce SP vous aura plu, hein, parce que là, du coup... Ah, c'est bon, c'est fait. Du coup, comment dire, ça va se finir là maintenant. On vit les dernières minutes de ce let's play et on va faire un peu le point. Ah, je croyais que t'es bugué en fait, mais non. On va faire un peu le point. Mais regardez-moi tous ces trains, c'est beau quand même, c'est beau. J'en suis assez content de ce qu'on a fait, de, même si on n'a pas atteint l'objectif des 500 000, des 5000 habitants. On est à combien? On est à combien? On doit être à 3200 peut-être. Même pas 3000. Bon écoutez, 3000 c'est déjà pas mal. Moi j'aurais bien aimé tout faire en fait. Tout l'intérieur du périph', le faire en habitation. Ou en commerce ou en industrie, hein, c'est-à-dire c'est pareil. Mais voilà. Le jeu après je pense il a ses limites. Et là je tourne actuellement à 12 images secondes. Donc je vous laisse imaginer. Si tout était rempli. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on aura l'occasion de faire d'autres let's play. D'ailleurs, je sais pas du tout quand le prochain arrivera, j'essaierai de le faire assez rapidement. Donc voilà, après, pas grand chose d'autre à dire. Encore merci de l'avoir suivi ce let's play, vous étiez encore de plus en plus nombreux. Et ça me fait vraiment plaisir, hein, je le dis pas assez, mais vraiment, vous me faites plaisir. Chaque fois, il y a de plus en plus de personnes qui regardent et qui commentent, et vraiment, ça c'est... C'est plus important, c'est que ça vous plaît en fait. Moi ça me plaît d'y faire et comment dire, moi j'y pourrais y faire mais pas y enregistrer. Et le fait d'y mettre sur YouTube, si ça fait plaisir aux gens, c'est encore mieux quoi. Ça veut dire que je me fais plaisir à y faire et vous avez du plaisir à y regarder. Et ça c'est la plus belle des choses quoi. Donc voilà, encore merci. Est-ce que, ouais, pour finir, ce let's play ne sera pas terminé tant que j'aurai pas enlevé toutes les textures. Allez, c'est parti, on enlève. Non, j'ai quand même vraiment beaucoup à enlever là. Ah, quoique. On peut peut-être y arriver.
On va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? Verdict. Ah, attention. Attention, est-ce qu'on va pas supprimer le train pendant qu'il passe? Ce serait ballot. Supprimer la voie. Ah oui. Ah non. Ah non, merde. Bon, on en profite, on passe dessous comme ça. Ah, il y en a encore une là. Il y a encore une tâche. Hop, voilà. Et bah écoutez, voilà. Ce espèce peut se venir tranquillement maintenant. On a enlevé la voie qui nous est chier. Enfin, pas la voix, les textures qui nous a chié. Bon, et bah écoutez, que rajouter de plus? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bugs de texture en plus pendant que le let's play est fini, c'est super. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux que ça se termine maintenant, au moins on est tranquille. Voilà, tout ça c'est notre ville de Lyon donc, qui se termine maintenant avec des trains. Est-ce que le RER ne marchera pas hein, de toute façon. Je pense que là, est-ce qu'il y a une personne ou pas S'il y a une personne derrière qui se manifeste tout de suite. Non, il n'y a personne. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, bon, encore merci du coup. Ça va faire 10 fois que je le dis. Je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play qui arrivera très très bientôt, je l'espère. En théorie, ça devrait le faire. Donc voilà, à plus, merci. Et bah, c'est tout. Voilà, à la prochaine. Salut tout le monde.